Vous n'avez pas le choix. L'anneau doit être détruit. Qu'attendons-nous pour le faire ? L'anneau ne peut être détruit, Gimli, fils de Gloin, par aucun moyen en notre possession. L'anneau a été forgé dans les flammes de la montagne du destin. Il n'y a que là qu'il puisse être détruit. Il faut l'emporter dans les profondeurs du Mordor et le jeter dans l'abîme flamboyant d'où il est apparu autrefois. L'un de vous doit le faire. On n'entre pas si facilement en Mordor. Ces portes noires ne sont pas gardées que par des orques. En ces lieux, il y a un mal qui ne dort jamais. Et le grand œil est toujours attentif. C'est une terre dévastée et stérile, recouverte de braises, de cendres et de poussière. L'air que l'on y respire n'est que vapeur empoisonnée. Même 10 000 hommes n'en viendraient pas à bout. C'est une folie. N'avez-vous pas entendu ce que le seigneur Elrond a dit ? L'anneau doit être détruit. Et je suppose que vous croyez être celui qui doit le faire. Si nous échouons, qu'arrivera-t-il ? Que se passera-t-il quand Sauron récupérera son anneau ? J'aime mieux mourir plutôt que de voir cet anneau dans les mains d'un elfe ! Donnez l'anneau ! Il le faut ! Il a raison ! Oui, nul ne peut se fier à un elfe ! Il a raison ! Comprenez donc rien, pendant que l'oncle est loin, le pouvoir de Sauron grandit. Je vais le faire. Et vous n'en avez que faire de mon peuple, que ce soit la chute du Mordor. Je vais le faire. Je vais porter l'anneau en Mordor. Bien que... je ne connaisse pas le moyen. Je vais vous aider à porter ce fardeau, Frodon Sacquet, aussi longtemps que vous aurez le porté. Si par ma vie ou ma mort, je peux vous protéger, je le ferai. Mon épée est vôtre. Et mon arc est vôtre. Et ma hache. Vous avez notre destin à tous entre les mains, petit homme. Et si telle est la volonté du Conseil, le Gondor se joindra à vous. Hey ! Monsieur Frodon n'ira nulle part sans moi. Non, en effet, il n'est guère possible de vous séparer. Et cela même lorsqu'il est convoqué à un conseil secret, et vous non. Oh, vous non aussi ! Faudrait nous renvoyer chez nous, attachés dans un sac pour nous en empêcher. Et quoi qu'il en soit, vous avez besoin de gens intelligents pour ce genre de... mission. Quête. Chose. Bon, alors ça te met en course, Pipin. 9 compagnons. Il en soit ainsi. Vous formerez la communauté de l'anneau. Chouette.